Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist spéciale de tous ceux qui veulent rentrer dans des unités armées de type police, gendarmerie, pompiers, militaires, tous ces métiers-là, les métiers qui demandent un test physique et une certaine condition pour rentrer dedans. Et nous, on va travailler pour ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne car je fais des programmes quasiment tout le temps, complets, gratuits et plusieurs thèmes, ok Aujourd'hui, on va s'occuper des plus importants, des plus difficiles, les tractions. Les tractions, c'est vraiment un mouvement de force, d'accord C'est un mouvement qui prouve que tu as la force et que tu peux rentrer dans cette unité ou pas. Bon, il n'y a pas que ça, mais les tractions, franchement, c'est l'un des mouvements le plus dur en Musculation, il y a même des gens en salle de sport qui ont mon niveau, voire mon niveau en x10, même des personnes qui sont chargées, qui arrivent même pas à te faire 10 tractions. D'accord, et je sais que pour entrer dans certains métiers là, il faut savoir faire minimum 10 tractions pour les hommes, pour les femmes. Il me semble que c'est 5 tractions, mais ça reste quand même très très dur. Et nous aujourd'hui, on va bosser, on va travailler pour que tu puisses au moins faire 20 tractions, D'accord C'est l'objectif. Il faut que quand tu arrives au concours, tu leur montres. Même si tu dis qu'il faut en faire 10, t'en fais plus de 10. D'accord Tu coupes la parole, mec. Tu dis non, je continue, je suis pas fatigué. Et parfois, je sais que pour... Euh, J'ai un pote de la fin d'examen en sécurité euh, privée. Je ne sais pas, c'était quoi, il me semble que c'était sur Paris. Et au lieu de faire des tractions, il en a fait 25, tu vois, et il a gagné plus de points sur certaines épreuves, d'accord Elle n'a pas été trop bonne en endurance, mais ses points en traction l'ont fait rattraper parce qu'il a, il a tapé dans l'œil de l'examinateur. Tu vois, donc aujourd'hui, on va faire les choses bien en traction, c'est important. Ce programme sera destiné aux personnes qui savent quand même faire des tractions, mais... Ceux qui ne savent pas faire des tractions, restez quand même parce que je vais faire des alternatives, d'accord Pour que vous, vous appreniez à faire des tractions et que vous puissiez évoluer, d'accord Parce que c'est plus important. Si tu ne sais pas faire des tractions, il y a un début à tout. Donc, reste cette vidéo, on va se faire des alternatives, c'est très important. Bon, je sais que je ne l'ai pas dit dans mes autres programmes, mais la première chose à faire, c'est de s'échauffer, d'accord S'échauffer les épaules, tranquillement, avec 10 rotations. Hop oh, 7, 8... 9, 10, 10 rotations avant, 10 rotations arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait pareil avec l'autre bras. C'est très important. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10, ok, tu fais pareil maintenant, mais comme ceci, pour bien préparer les épaules, parce que en traction, tu peux te faire mal. Tu vois là, j'ai pas compté, mais essaye de faire 10 rotations à chaque fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est très important de faire ces échauffements-là indépendamment, tu vois, en unilatéral. Faut pas faire les deux en même temps. Parce que en faisant les deux en même temps, genre comme ça, l'échauffement, il est moins efficace. D'accord C'est mieux de bien prendre son temps. Tu fais un premier mouvement, hop, un autre mouvement et tu fais un circuit de 5, de, entre 4 et 5 fois c'est bon, après tu peux commencer tes tractions. Tu peux aussi faire des chevaux, des poignets, d'accord, histoire d'avoir les poignets bien souples, pour avoir une bonne prise au niveau des tractions, plusieurs de rotations, que ce soit des rotations dans un sens, dans l'autre sens, ou hop, les deux en même temps, c'est très important pour la bonne souplesse des poignets, surtout ça des poignets qui sont sensibles. Ça aussi c'est très important ce mouvement-là, qui sert à assouplir les poignets, et à Bien commencer en traction. Moi, en vrai, je peux pas te mentir, je suis déjà chaud parce que je suis parti à la salle. D'accord Je suis parti à la salle. C'est pour ça que là, il y a un peu de congestion. On est bien. Je suis revenu juste pour te faire ce programme. Parce que je me suis dit, je ne vais pas trop me fumer dans la salle. Je vais quand même garder un peu de force pour les tractions. Donc, je te laisse te chauffer tranquillement. Et c'est primordial. Parce que si tu te blesses en traction ou si tu te blesses pendant ton entraînement, tu vas devoir te reposer. Et si tu as un concours en vue, on va perdre du temps. Et nous, on ne veut pas perdre du temps. D'accord Donc, fais les choses bien, échauffe-toi bien, prépare ton petit carnet, ta bouteille d'eau, on va travailler. Ok, là, on est dans l'exercice. On va se faire un 10 x 5 tractions. Notre but est de faire 50 tractions, faire des séries de 5 avec une minute de temps de repos. D'accord Qu'on soit bien d'accord Notre but aujourd'hui, c'est de savoir faire ça. Une traction où tu es bien bas, tu montes, montes au-dessus de la barre et tu redescends. Ok Ça, c'est notre but aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas faire des tractions, d'accord J'ai deux alternatives à te proposer. La première, c'est que tu restes comme ça, en statique, d'accord Pendant que je fais l'exercice. Ça, ça va t'aider à avoir les muscles nécessaires afin d'appréhender et de tenir la barre. Ça va te faire aussi travailler les épaules et les bras, très important. Ou sinon, tu as cette alternative-là. Tu prends la barre, tu sautes. Tu restes plus longtemps possible et tu, te restes, et tu te laisses descendre 5 fois. Ok Hop Voilà, ça aussi, ça va t'aider à appréhender le mouvement en traction. Très important. Ça, tu peux le faire si tu es débutant, si tu n'arrives pas à faire les tractions. Et euh, voilà, ça va grandement t'aider. Aussi, si tu as un élastique, tu vois, très important, tu peux mettre l'élastique sur la barre de traction tu le tires. Tu mets tes pieds en dessous. Bon, là, je ne sais pas si on va bien voir. Attends, je vais essayer de bien le mettre et de ne pas me le prendre dans la gueule. Hop, tu peux mettre un pied en dessous ou les deux pieds en dessous. Et après, tu fais ta traction. Tu seras grandement aidé. Et ça, ça peut être une bonne alternative. Au début, tu mets les deux pieds. Bon, tu seras bien aidé parce que tu as fait la traction quasiment toute seule. Mais après, tu retires un pied histoire d'être bien. Donc ça, ça peut être très très bien aussi si t'as du mal à faire les tractions. Après, prends pas un élastique euh, trop, trop dur. Prends un élastique qui peut s'étendre suffisamment pour faire ta traction. Et aussi, attention, parce que quand tu retires ton pied, tu peux te manger une gifle monumentale avec l'élastique. Et ça peut niquer ton concours. Donc, fais attention avec ça quand même. Ok, maintenant qu'on a toutes les alternatives de débutant à professionnel, on va pouvoir commencer. Moi, je prépare juste ma feuille, tranquillement, ma bouteille d'eau qui est là, à côté. Hop mon chronomètre qui est ici. Et c'est parti, on va commencer. Donc, bien évidemment, moi, je fais des tractions où je descends bien bas et je monte bien haut. C'est très important pour faire les choses bien. Allez, on commence. 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok, très bien. Je mets mon chrono et mon premier trait. Comme je t'ai dit, l'objectif c'est d'arriver à 10, d'accord Arriver à 10 traits, 10 fois 5, 50 tractions. Très important. Les tractions, ça fait mal, d'accord Ça fait mal. Je sais que si par exemple, tu fais les tractions où tu sautes et tu te laisses descendre, bah, tu vas pas finir en même temps que moi, d'accord Donc, adapte l'entraînement à ton niveau. Très important, ok oh, Là, je me sens bien. Il pleut. On en entend la pluie. Je sais pas si avec le micro, on entend la pluie. Oh, j'ai pas envie de sortir du garage là. Sachant que j'ai fait une petite séance pec. Donc ça va, normalement je pourrais assumer cette séance tranquillement. Sachant que c'est 5 tractions. Ça va, c'est tranquille. On est à 50 secondes, on va partir. Là, il n'y a pas ouais je pars à 45. Non, là je pars à une minute. D'accord Parce que plus on va avancer, plus ça va être dur. Une minute, c'est parti. On repart. Une, deux, ok. 3, 4 et 5. Ok, très bien. Quand tu fais ta première traction, tu sautes pas, d'accord Tu commences bien en bas et tu tires, d'accord Très important. On saute pas, on fait les choses dans les règles. C'est le plus important. Oh, là j'ai soif, là c'est incroyable. Ouh. Et tu vas me dire, mais pourquoi on fait 5 tractions Parce que normalement le but c'est d'en faire 10. Tu vois, 5 tractions, ça va t'aider à te muscler d'avoir avoir les muscles nécessaires pour réussir à faire tes tractions. Si par exemple tu es une femme, tu vois cette vidéo, tu vas te dire ouais mais 5 tractions, c'est ce que je dois faire, c'est mon max. C'est pas grave. Fais les tractions que je t'ai dit de faire, que ce soit avec un élastique, que ce soit les tractions que je t'ai dit ou tu te laisses descendre. Et toi, à l'examen, si tu une femme, je veux que tu en fasses au moins 15, au moins 10. À l'examen, je veux que tu montres que tu es là. Parce que les tractions, c'est dur. Et vous, vous devez montrer l'exemple aussi. Allez, c'est parti. On va en refaire 5. Est-ce que j'ai mis montrer Ouais, j'ai mis montrer. Allez. 1, 2, ok. 3, 4 et 5. On a 3, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est un entraînement qui pourra te faire gagner le muscle-up ou te faire bosser le muscle-up. Je rappelle, muscle-up, c'est le mouvement où quand tu le fais, tu es au-dessus de la barre. Tu vois, c'est le mouvement un peu stylé de street. J'ai pas envie de te le faire là parce que là, j'ai une minute et je suis fatigué, d'accord Mais c'est un mouvement qui est très très beau. Et tu seras calé pour le faire. Après, j'ai envie de dire qu'une fois que tu seras dans ton secteur armé... Des muscle-ups, c'est sûr que tu vas en faire au moins 20 parce que là-bas, tu auras des réveils assez sportifs et tu auras une condition de fou. Donc, euh, t'inquiète pas, tes muscle-ups, tu les auras dans la caserne. Là, je vérifie bien le temps parce que c'est très important. Très important de respecter les temps, les une minute. Parce que plus tu vas faire ça, plus ton corps, il va travailler, il va mémoriser le mouvement. Et après, tu seras un tueur en traction. Et les tractions, c'est un truc à ne pas négliger parce que c'est éliminatoire. D'accord Tu fais 9 tractions, c'est mort. Pour les filles, tu fais 4 tractions, c'est mort. Il n'y a pas de 4,5, il n'y a pas de 9,5. Il faut faire le chiffre, d'accord Et nous, on va travailler pour faire plus que le chiffre. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Hop. Ok, hop. On a quatre. Menton au-dessus de la barre, ok. Pas le visage sur la barre, menton au-dessus. Si t'arrives pas, tu fais comme tout le monde. Quand tu fais ta traction, tu lèves un tout petit peu ton menton, ok. Tu fais ça. Mais les vraies tractions, il faut que ton menton il dépasse la barre, ok. Après, je te demande pas de faire la traction ultime où tu mets tes pecs sur la barre et tout. Non. Tant que ton menton dépasse la barre, c'est bon. Les tractions ultimes, tu les feras avec le temps, avec l'expérience, ok Nous, ce qu'on veut, c'est faire des tractions réglementaires pour ton examen, pour que tu puisses tout niquer et rentrer dedans sans problème. Si, par exemple, ce programme, tu le fais et dans un an, deux ans, tu vas rentrer militaire ou dans, dans le métier, bah là, tu pourras venir avec des tractions ultimes, clairement. Mais si tu es là, tu as deux, trois mois pour te former dessus, là faut faire ce qui est réglementaire. Allez, on y va. C'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. OK. Là, ça commence à faire mal. Et on est à cinq. OK. On est à 25 tractions pour le moment. Ça commence déjà à faire mal. Faire plusieurs tractions. En plusieurs séries. En Plusieurs répétitions, ça t'aide à la progression des tractions. Tu verras par la suite, plus tu vas le faire, au début sera dur, après sera facile, mais ça va aller. Hop, deux gorgées d'eau, on est bien. 33 secondes, et on va repartir. Oh. Et comme je te dis, hein, les tractions. C'est pas un jeu, d'accord C'est pas un jeu, c'est un mouvement difficile. C'est le mouvement le plus difficile à faire au poids du corps. C'est pour ça qu'il faut se former, il faut bosser les tractions. Il faut les bosser, c'est important. Et c'est un mouvement qui te donne quand même un beau dos, d'accord Un très beau dos. Allez, on repart, c'est parti. Une, deux, trois, allez. Quatre et cinq. Ok, très bien. Je mets mon temps de repos, hop, mon sixième trait. Oh. Les tractions, c'est un mouvement dur. C'est le mouvement qui prouve que tu es digne ou pas de rentrer dans un corps militaire. Une fois que tu rentres dedans, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Je sais que notamment pour la police, tu vas me dire, ouais, mais il y a des policiers, ils sont gros. Oui, ils sont gros, mais quand ils sont rentrés dedans, ils ont fait les efforts nécessaires pour rentrer dedans. Et toi, tu dois te concentrer sur les efforts à faire maintenant. Si tu as l'armée, ou tes gendarmes, ou si t'es euh, si, si es pompier, bah là, tu seras gainé toute ta vie, tu vois. Parce que là-bas, euh, là-bas, il ne dort pas là-bas, tu vois. À part les grands chefs de caserne, mais là-bas, il ne dort pas, tu vois. Donc tu seras gainé. Et on doit faire les efforts pour être gainé dès maintenant. Pour être plus balèze que les gens là-bas, là, tu vois. Allez. Hop, c'est parti. Là, la minute, je la sens plus passer là. Une, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Très bien. Hop, je mets mon temps de repos. Et hop, le trait. Une barre de traction, ça coûte pas trop cher. Tu peux l'acheter partout. Tu peux la fixer partout, donc mais là, moi tu vois j'ai une cage, je suis bien, j'ai investi, euh, ça fait quoi ça fait, ça fait 4 ans que j'ai ça, tu vois. Donc euh, je suis bien avec. Mais toi, prends ta barre de traction, va dehors, fais ton petit programme avec moi et tu vas progresser. Tu vas voir que tu feras les choses bien. C'est important. Il est déjà 30, 33 secondes. C'est incroyable, le temps il passe trop vite. Moi, comme je t'ai dit, j'ai tout fait. Pour entrer dedans, j'ai tout fait. Je suis parti voir des gens en face. J'ai fait. J'ai demandé des thèses, des informations. On me disait Ouais, non, toi, non, toi, si, toi, ça. Ouais, j'ai abandonné, j'ai abandonné. Je me suis fait. Si on veut pas de moi, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Allez, c'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ok. Là, ça commence à être dur, ça commence à être très dur. Hop, je mets mon temps de repos. Hop. Il nous en reste deux, il nous en reste dix. On va faire ça tranquillement. Moi, ben, comme je t'ai dit, j'ai toujours voulu bosser dans des métiers comme ça. Mais comme ce n'était pas vraiment une vocation, je ne me suis pas battu de fou pour entrer dedans, d'accord J'ai essayé, j'ai été refusé au moins dix ou quinze fois. On va pas se mentir, je me suis fait, bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai d'autres tifs dans la vie. J'aime bien la muscu, j'aime bien les vidéos. Allez c'est parti, on y va. Tu vois Mais on ne sait jamais peut-être que tu me verras dans, 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 un, dans un secteur ramé, un secteur de sécurité privée euh, qui exige un concours, peut-être. En attendant, je préfère t'aider toi à bien te préparer et à, à te mettre bien pour entrer dedans. Parce que c'est pas parce que moi je n'ai pas de chance que les autres n'auront pas de chance. Et en ce moment avec tout ce qui se passe... On va dire c'est un peu plus facile de rentrer dans un secteur comme ça. Allez, on va repartir tranquillement parce que le temps, il passe vite. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ok. Oh. Hop, temps de repos. Super. Et je mets mon petit trait. Alors tu vois, je ne peux pas tout faire d'un coup. Je suis obligé de te décortiquer un peu les séances parce que si je te fais un programme complet, genre que ce soit pompe, plus traction, plus abdos, ça va être compliqué. D'accord Sachant que les tractions, c'est un mouvement difficile que pas beaucoup de gens savent faire. C'est pour ça que les tractions, franchement, j'ai fait un module spécial pour traction pour que tout le monde puisse s'y retrouver et tout le monde puisse évoluer à sa manière. C'est important. En plus, tu vois, regarde, là, je me suis mis en mode militaire, tu vois. Là, je me suis mis en mode guerre. Ça, c'est parce que je te soutiens, tu vois. Et je t'invite à faire ça, à t'habiller en fonction de, de là où tu vas aller. Pompier, tu t'habilles en rouge. Militaire, tu, tu mets un truc militaire. Gendarmerie, tu t'habilles en bleu. Tu vois, tu, tu, tu fais ça, que ça, ça te rappelle que tu travailles pour rentrer là. C'est très important, OK On va se faire la dernière tranquillement parce que le temps, il avance. C'est parti une, deux, trois, quatre et cinq. Oh. Ok. Ouh. Je mets mon dernier petit trait et je suis bien. Là, tu vois, on a fait un petit entraînement tranquille. Ça, ça va t'aider à bien développer tes tractions, d'accord Et à tout niquer pour le concours et l'examen. Tu peux faire ça deux ou trois fois dans la semaine, mais repose-toi bien, d'accord Ne fais pas ça tous les jours. Parce que c'est au repos que ton corps va mémoriser ce que tu as fait, va mémoriser les mouvements et tu vas évoluer de cette manière là, avec le repos. Je vais boire mon eau tranquillement et je te retrouve juste après. Donc voilà, cette séance est terminée, cette séance traction. Après voilà, elle est très complète, d'accord Elle est très complète et très efficace. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu t'entraînes, que ce soit pour tes pecs, pour tes épaules, pour quoi que ce soit, échauffe-toi bien et fais ton max de traction en fin de séance à chaque fois. Ça te permettra de juger à quel niveau tu es ou comment tu peux faire, d'accord C'est comme là, après cet exercice-là, à la fin, si tu restes un peu de force, repose-toi un peu et fais ton max de traction. Tu verras, si tu arrives à 8, à 10, à 15, tu seras bien, d'accord quand tu seras bien, d'accord Quand tu verras que tu seras prêt, c'est là où après ça, tu pourras en faire 10 derrière. Là, ça voudra vraiment dire que tu es prêt. Ça voudra vraiment dire que après toute la fatigue cumulée, tu peux envoyer dix tractions. Ça veut dire que au repos même, tu pourras en faire plus que 10, d'accord Mais parfois, ça dépend des corps. Moi, par exemple, mon corps, il est beaucoup plus chaud après une séance qu'avant une séance. Après une séance, je peux t'envoyer 20, 25 tractions, 30 tranquillement, d'accord Avant une séance, je peux t'en faire 10, 15. Tu vois, c'est pas pareil, ok Donc, tout dépend de ton échauffement, tout dépend comment tu es, comment tu te sens. Le but, c'est d'en faire 10, d'accord Et avec cet entraînement-là, le but ultime, c'est d'en faire plus que 10. Donc, entraîne-toi 2 à 3 fois par jour, pas plus en traction, et après, tu vas te reposer. Et comme je te dis, c'est le repos, tu vas te faire évoluer. Donc si t'aimais cette vidéo, ok, mets un pouce bleu, un commentaire, ça fait vraiment vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait parce que je fais plein de vidéos et plein de programmes et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.